aussi bien. Allez, bisous, bisous. Allez, ciao, bisous. Ciao, ciao. Mais on me voit sur la vidéo. On aura la paix pendant 2 semaines. Oh là, les mecs. J'étais en train de faire du refueling. Le camion est totalement disproportionné par rapport à l'avion. À l'avion. Alors. Aïe putain, il me rend dedans. Aïe, il m'a tout cassé. Aïe, il est mort. Il est là, arraché sous ma tête. Mais il est fou. Il me demande du carburant. Full, oui. Ok. Yes. Warning. Alors, FMN, LIRF. Convertir. Allez, convertir. Ferme Claude parce qu'elle aime trop chier. Voilà. Ah, c'est la scène. Ouais, il faut que je Corse. Bon, ben, messieurs, je vais vous tirer ma révérence. Je vais sortir les bêtes. Oui. Je vous dis en principe à demain. Et moi, j'ai essayé de démarrer. Ok. Mais putain, j'ai pas le truc en 11 secondes. Mais j'ai l'autre con, il a toujours pas téléphoné. Hein. C'est sérieux? Ouais, non, sans blague. Hein. Oh purée, mais c'est quoi? Allez, je comprends pas. Il va venir jeudi, jeudi et vendredi. Non. Ah bon. Pas de coup de fil. Et imagine, tu téléphones et tu dis, ah mais mince, j'avais noté ça la semaine prochaine. Ah non, mais il va être content du voyage, je pense, quand il va revenir, mais quand il va se pointer. Parce que comme Saint-Devis qu'il a fait, c'est suite à un débordement de un non-fonctionnement de la machine à laver la vaisselle. Donc, il a quand même presque 2000 euros de travail récupérer, hein, de récupérer. Donc, apparemment, il n'est pas pressé, quoi. Non, a priori, non, il sent pas. Mais dans le coin, putain, je sais pas, Vegas, d'abord, téléphoner, ça coûte des sous. Aller sur un parking, ça coûte des sous. C'est incroyable, incroyable. Je veux bien croire que, bon, il faut quand même faire attention, mais c'est un esprit. Oh là là, vraiment, on parlait des Auvergnats, mais je crois que c'est encore pire. Ouais. Alors. Ouais, quand j'étais arrivé en Creuse, quand j'étais revenu en Creuse après avoir quitté quand j'avais 17 ans, par là, quand j'ai revenu, je leur avais dit qu'ils avaient 50 ans de retard. J'avais dit aux agriculteurs du coin, certains. Oh putain, il y en a un qui n'était pas tellement apprécié. Mais... Putain, j'ai putain moteur encore. Là, franchement. J'ai putain moteur, regardez, tout grand. Et mes craintes, ils ont du fric, hein, parce que les plus gros garages, c'est BMW, Mercedes et Toyota. Ah ouais. BMW, Mercedes, Toyota, tu sais que... Bon, maintenant, Audi, ça commence à prendre aussi. Ouais. Mais comme le patron du garage, c'est un con, moi, j'y vais pas. Du reste, je préfère faire de 300 bornes et puis aller à un autre garage. Où j'ai l'habitude, et puis... où ils me font des... D'abord, ils sont moins chers que Périgueux. Déjà et d'une. Donc, bon, 20% moins cher. Je sais pas si tu vois. Ah oui. Pour la même opération. Hein. Ah ouais. Alors, là, j'ai une maintenance à faire qui est pas triste ou nette. Il faut changer la courroie de distribution. En principe, ils changent la pompe à eau aussi en même temps. Et bon. Là, à peu près presque pour 800 euros. Oh, ça va encore. Tu sais combien ça m'a coûté sur la rover, la distribution? Non. 1300. 1300. Ah oui, en effet, ouais. Ouais, ouais. Non, maintenant, ça me coûte zéro. C'est bien. Là, il faut que je change la batterie, déjà. Putain. Non, j'ai plus besoin de faire de distribution. Bah ouais, mais regarde. Moi, elle m'a fait... Elle a 8 ans, la voiture. Hein. Mmh. C'est pareil. Bah là, moi, c'est une chaîne, donc je suis tranquille. Il paraît que de temps en temps faut la retendre la chaîne, mais bon. Mm-hmm. Ah bon, je sais pas. J'ai entendu parler de ça, mais bon. J'ai jamais vu dans l'entretien qu'il fallait tendre la chaîne. Ah. Par contre, ils te disent qu'il faut mettre une cire spéciale sur le moteur. Ah bon? Donc, tu dois aller chez eux faire appliquer une cire spéciale sur le moteur. Tu penses que j'allais le faire? Ah, c'est pour l'étanchéité de problème d'allumage, et puis pour. T'as une partie électronique aussi pour le protéger de l'humidité. Ouais, sans doute, ouais. Pour protéger de l'humidité. Genre,
toute l'année. Au début, je le faisais, moi, sur les voitures. J'y vendais des bombes spéciales contre l'humidité. Puis un genre de vernis que tu balançais sur le système. Mais en définitive, il y a des endroits où il y a des trous de ventile pour, parce que toute électronique chauffe un petit peu. Et donc, il y a toujours, il faut quand même laisser une circulation d'air. Il faut donc pas éviter, il faut éviter que de boucher les trous. Bon, c'est comme ça. De toute manière, si c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Non, puis il veille comme des gouniafiers ici au garage Volkswagen. Donc, en région parisienne, où je vais. Ouais, pareil, hein, c'est ta confiance en ton garagiste. Ces mecs sont plus sérieux. J'ai posté des photos. De confiance, c'est qu'à chaque fois, bon, tiens, je vais aller voir ça. Des hommes, à plus. À plus, ouais. Chose. Allez, en principe, à demain. Allez. Ok, ça roule. Salut. On y va, la fille. Jolie des photos. Ouais, c'est avec une scène, une scène de Chéricou. Ah ouais, t'étais vachement haut. Ah ouais, d'accord. Ah bon. Bon. Battery is on. Je trouve qu'en fait les scènes se ressemblent. Il n'y a pas de grosse différence entre ce que vous avez envoyé et ce que j'ai. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, plus ou moins.
Approaching 3, 6. On runway 3, 6. On taxiway.
Ça y est, le site Venetubo est down. Site de qui? Venetubo. Venetubo, c'était un site qui permettait de modifier ton fichier config.cfg de FSX. Bon. Ouais, en fait, il te demandait le type de processeur que t'avais, le type de carte graphique, des choses comme ça, et puis il te tweakait directement ton fichier. avec des paramètres améliorés. Et là, le site est mort. Ça veut dire que FSX est en train de mourir. D'habitude, tous les débutants, on les envoyait d'abord faire un tour sur Venetubo. Ouais, mais à un moment fallait, enfin, je sais pas, mais à un moment ou un autre, ouais, pas que avec X-Plane et puis 3D sur le côté, forcément que FSX va tout doucement disparaître. Hein. Ah oui. C'est pas du ménage. Ça m'amuse de voir les réponses des gens qui prétendent connaître Windows 10 et qui donnent des réponses presque toutes faites. Benes ni l'un ni l'autre. Ils savent pas paramétrer leur truc. Il y en a qui demandaient s'ils peuvent installer FSX sur Windows 10, alors ils disaient « Ah non, ça marche pas, l'installateur plante. » Ah oui, bah si vous êtes cherché un petit peu, puis il saurait qu'il y a un fichier à mettre. Et ça marche. Ça marche même mieux que sur Windows 8.